Hey, salut à tous, c'est Under, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword, le 6ème de la série. Alors aujourd'hui, on devait aller voir, utiliser notre lance-pierre pour faire tomber la liane, et aller dans le temple voir Zelda. Je sais pas du tout si le temple il sera juste après, s'il sera juste après, ben tant pis pour vous, parce que je le commence seulement dans une autre vidéo, moi, vu que je le fais que dans une vidéo, sauf s'il arrive vraiment là tout de suite. Mais je penserais quand même pas ça de leur part, Nintendo. Ah, j'aurais pas dû le récupérer. Hop, j'ai mis un pied de dragon, on sait jamais, parce que moi, casser la télé, ça peut aller vite. What? Vous avez vu ce que j'ai vu? Il y a quelqu'un qui s'est téléporté en faisant des petits losanges, là. C'est pas très super tout ça. Alors bien sûr aussi, normalement cette vidéo sera publiée en 2014, normalement le 3 je pense. Donc moi, ben, je vous souhaite une bonne et heureuse année, bonne santé, etc. Bonne année. Voilà. Ça fait un an. Ça fait plus d'un an que j'ai commencé la chaîne, vous êtes toujours aussi nombreux, toujours autant super. Donc ben, moi je vous souhaite bonne année, etc. C'était le moment remerciement. Qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Ouais, cool. Hop. Voilà. J'espère qu'il ne faut pas me taper quand je fais mon coup de grâce. Oh là là, on enchaîne les coups de grâce, c'est juste magnifique. Oh non, trois coups de grâce, ça aurait été beau. Et pourquoi il y a les méchantes abeilles? Ah non. Elles sont gentilles les abeilles, hein, pas vrai? C'est gentil les abeilles. Non, que dalle, d'accord, on va te faire. Salope. Ok, bon là il n'y a pas l'air d'avoir vraiment quelque. Ouais, d'accord, on va se casser. Ok, d'accord, j'ai compris. Elles sont pas très affectueuses. Garde ton miel. Garde ton miel. Voilà. Mais casse-toi! Je te veux rien, moi. Garde ton miel. J'en veux pas. Ton miel pourri, c'est que tes excréments, de toute façon. Oh putain. Je serais allé le chercher, ça aurait été épique. Bon, d'accord, je peux comprendre. Non, d'accord, on va pas le péter parce que ça donne des noix. Là, par contre, je pense qu'il faut le faire. Hop. Non, c'est faux, c'est pas moi. C'est le swag éternel de la vie, c'est pas moi, c'est faux. Allez dans votre ruche. Putain. Voilà. Parfait. Il faudrait pas qu'ils viennent, mais normalement ils peuvent pas venir sur ça quand même pas. Non, je pense pas. Hop, allez. Non, putain, j'ai failli tomber. Ah, il y a notre goron là. Et putain, il y a le temps, on fait chier. Pas faire une vidéo de 3 minutes quand même pas. Et toi, comment on se retrouve? Par ici, j'aurais besoin de ton aide. Oh bah attends. Ça, je pense que c'est le temple. Ils sont vraiment chiants, eux. Ils prévoient là où tu vas mettre ton épée, c'est vraiment chiant. Surtout que tu vas pas casser leur épée. Non. Éternel de la vie. Voilà, casse-toi. Salope. Y'a quoi là-bas? C'est pour récupérer quoi de toute façon? D'accord, c'est important. Chier. On va le faire tranquillement. On va pas du tout le faire tranquillement. Hein. Là, on fait vite. Et parfait. Voilà, parfait. On commence à avoir plein de rubis, on peut en avoir combien? Voilà. C'est là. Ok. Et aussi, peut-être que tout à l'heure, on ira dans le ciel pour faire quelque chose, pour trouver un quart de cœur. Parce que j'ai enfin eu la fiche pour savoir où sont les quarts de cœur. Je m'en suis rappelé d'un. Il est sympa à voir. Putain de merde! J'ai failli tomber. Non.
Voilà. J'ai voulu mettre mon épée, mais je crois qu'en fait qu'on peut pas se battre sur en faisant le funambule. Non, 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 Link, tu ne peux pas. Tu n'es pas au cirque. Au cirque le pindeur, comme on dit. Excellent. Hop. On sauvegarde. Il y a une yeah. On va même y aller tout de suite. Écoutez, on va sauvegarder. Puis on va aller dans le ciel maintenant. Hop. Là, examiner. Comme ça fera notre second quart de fragment de cœur, notre quart de cœur. Wow, soit c'est trop swag. Ouais. J'adore. Ouais, c'est bon, ça recorde bien le son. J'ai eu peur là, tout d'un coup. Hop. Alors, faut aller à une île qui se trouve là-bas. On va dire, c'est pas seulement. Je crois que c'est celle-là. Alors, allez, où est notre balise? On la voit ou pas là? Ouais, c'est bon, on la voit. Non, c'est pas ça. Je sais pas du tout où elle se trouve, par contre, cette île. Non, mais. C'est ça, je crois plutôt. Ouais, je pense que c'est ça, c'est orange donc sûrement ça. Ouais, je pense. Ouais, ça me paraît d'être ça. Ouh, c'est quoi ça? C'est téléporté? Hop, on va se téléporter dedans alors. C'est téléporté. Hop. Ouais, c'est bon, je crois que c'est ça normalement. Ah, oh, c'est bon, il n'y a pas de clan de chargement, ça c'est bien. Donc, normalement, ça devrait s'appeler la citrouille perchée. Et normalement, il y a quelque chose sur le lustre. Normalement. Ouais, c'est bon. Oh, il est léger à attraper celui-là, si je me rappelle bien comment faut faire. Ouais, je crois que c'est ça. Attendez, je suis pas vraiment sûr de savoir comment on le reprend. Mais qu'est-ce que je voulais toi? Je vais pas te parler parce que. Voilà quoi. Attendez. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Yeah. Merde. Non mais ça va pas! Viens ici tout de suite! Oups, je crois que j'ai fait une connerie! On va en premier récupérer notre fragment de cœur si ça te. Si ça te chahute pas, hein! Vous avez obtenu un fragment de cœur! Super! Donc c'est notre second, plus que deux. Ah, c'est parfait. Regarde ce que tu as fait. Mon frère va te tailler les orteils en haut. Putain, bah ils sont pas ronds les orteils. Ok, je viens de comprendre. Non, en fait, non, il ne faut mieux pas. Non, mais c'est pas vrai, tu te rends compte de ce que tu as fait? Mon lustre sur mesure est réduit en miettes. Ça va pas se passer comme ça, gamin. Je vais te faire travailler, moi, et tu vas me rembourser mon lustre jusqu'au dernier rubis. Alors, t'es prêt? De toute façon, je sens que si on dit pas question, on pourra jamais. Oh, tu as l'air motivé, très bien, je suis prêt à te faire confiance. Allez, au travail, je veux que tu livres ma soupe au capitaine des chevaliers de Salisbourg. Capitaine est un habitué, il est incapable de commencer sa journée s'il n'a pas un bol de soupe pour démarrer. Alors prépare la livraison, attends. Oh, un homme ne revient jamais sur sa parole, tu vas livrer cette soupe au capitaine des chevaliers, compris? T'en peux! Oh putain, on est obligé de le faire. Compris. Mais tu n'as pas de flacon vide, si tu veux pouvoir emporter la soupe, il va en falloir un. Cherche un flacon vide et reviens me voir. Mais va te faire. Peu. Il veut que j'en donne un en plus. Pfeu. Tu le débrouilles hein, pour le trouver. Moi je sais pas ce pas en tout cas. Attendez, j'ai pas de flacon vide normalement. Ah non, j'ai une fée. Ouais, c'est pour ça. What? C'est où ça? Ah oui, c'est les coffres là qu'on voit. De la déesse. Ok.
Ok, bon, on va retourner à l'intérieur. Ah bah, va falloir que je me retape toute la route par contre, hein. On a déjà 10 minutes de vidéo. J'espère que je vais pas devoir me retaper toute la route parce que sinon ça m'est... Attendez, je vais juste regarder quelque chose. Ah, ça se fait comme ça, oui. C'est une possibilité, exactement. Allez, fonce dedans, Céleste, et attaque! Hop. On va directement dans le nuage. Et voilà, pas eu besoin de t'appuyer. Ça ira beaucoup plus vite. Ouais, c'est bon, on n'est pas obligé. Maître, fais au rapport. Vous pouvez m'indiquer l'endroit où vous souhaitez désirer atterrir parmi les statues d'oiseaux que j'ai mémorisé. Pointez l'endroit où vous souhaitez atterrir avec truc et confirmer avec truc. C'est où c'est? Cœur de la forêt. Voulez-vous atterrir ici? Oui. Si là, il tombe directement, du coup, l'épisode, il va pas durer 30 minutes, du coup, je serais désolé. Parce que je tiens pas à faire un épisode de 2 heures, parce que déjà que les donjons sera 1 heure, etc. Sûrement, donc ça va mettre du temps au montage. Enfin, je vais enchaîner 2 épisodes, moi, perso. Pour bien me mettre dans le bain, vu que du coup, j'aurais commencé. Il faut 10 minutes, pour moi, c'est pas assez. Ok, là, par contre, va falloir le balancer. Hop là. C'était just. C'est quoi ça? Hop. What the crab? What? Elles étaient super bizarres. Elles étaient jeunes. Ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, c'est bien. Putain, elle nous a fait perdre 2 cœurs à celle-là. Ah, il y a un autre cube de la déesse là-dedans. Ouais, c'est bien le temple, ça. C'est vraiment la gueule d'un temple. Hein. Je me souviens très bien de ce temple. Il était assez simple. Parler à toi. Même si je me souviens de ce qu'il faut faire, là. Tu arrives au bon moment. Je viens juste de découvrir quelque chose dont parlent les écrits anciens. Cube de la déesse, non? Regarde. Ça, c'est un trésor que la déesse a laissé pour le héros venu du ciel. J'appelais ça un cube de la déesse. Ouais, c'est ce que je me rappelais, ouais. On peut lire dans les écrits anciens. Si le porteur de l'épée des cieux les touche de la lumière issue de sa lame, il en sera récompensé. Dis, t'as pas une épée, toi? Je voudrais que tu m'aides à résoudre l'énigme des cubes. Ok. Oh, merci. Ce cube est fait d'un métal que j'ai jamais vu. Il a l'air indestructible. Ça doit bien signifier quelque chose. L'épée des cieux et la lumière ici de sa lame. T'as pas une idée, toi? Ça, je me souviens très bien. Normalement, on peut le faire en marchant. Bon, on va s'approcher. Hop là! Je me rappelle plus que c'était comme ça, par contre. Ça faisait ça. Je croyais qu'il y avait le corps directement, un truc du genre. Oh, le cube s'est en allé dans le ciel. Il a réagi à la lumière que ton épée a libérée. Ah, cool. Où le cube a-t-il bien pu aller exactement? Le mystère ne fait que s'épaissir. Selon les écrits anciens, il existe de nombreux cubes sur la Terre. Essaie d'en trouver d'autres et dis-moi si tu en prends plus. Alors, si tu en apprends plus, alors sujet. Ouh, j'ai eu du mal là. Ok, bon, on va mettre le petit checkpoint. Voilà. Et un checkpoint, un. Ensuite, on va descendre là. Excellent, on va sauvegarder. Qu'est-ce qu'elle a encore? Maître Link, je ressens l'aura de Dame Zelda à l'intérieur de cette construction. Cependant, je ressens également la présence d'une multitude de monstres. Souhaitez-vous tout de même continuer? Bien sûr, on est PGM, notre Pro Gamer Master. Restez prudent, personne ne pourra venir vous aider ici. Si le danger devient trop grand, vous pouvez toujours retourner dans le ciel pour mieux vous préparer. Il est toujours bon d'avoir sur vous un bouclier pour vous protéger des potions pour vous soigner. Repartons à la recherche de Dame Zelda. C'est vrai, peut-être qu'il faudrait que j'aille réparer mon bouclier. Sauvegarder. On sauvegarde, bien sûr. On va aller activer le cube de la déesse. On va aller chercher les nouveaux cubes du coup qui ont... Les coffres qui sont dans le ciel là.
s'ils sont marqués, j'espère. Et ensuite, ben, on arrêtera l'épisode, hein, parce que ouais, ça fera 20 minutes d'épisode, quoi. Ouais, un épisode court, mais tout de même, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire, hein, quand même. Oh non, mais y a rien là-bas, de toute façon. C'est pas... Oh putain. J'ai oublié ça. C'est merde. Par contre, je ne vois pas comment il est possible de passer comme ça, là. Je vois pas. Bon, alors, on va retourner dans le ciel. Hop, retourner dans le ciel. On s'occupera des trucs qui sont sur le temple après. On va pas l'ouvrir. On l'ouvrira juste avant la vidéo. Ouais, puis non, dans l'épisode plus suivant. Hein. Je vais vous tenir en haleine. Ça fera un jour. Un jour de suspense. Donc, la manipulation du Celestri, je trouve ça quand même bien. Alors, Maître Link. Je détecte dans le ciel l'énergie libérée lorsque vous avez frappé de l'éclat céleste les cubes de la déesse dispersés sur Terre. Ouais, c'est bon, il ne les marque. Ah, mais c'est celui-là. Okay. Les endroits d'où provient cette énergie sacrée sont indiqués sur votre carte. On va recentrer. Voilà. Ah, c'est bon. Je vous conseille d'explorer ces régions sur la carte. Pourquoi j'ai enlevé mon truc? Moi, de toute façon, je dois y retourner. Bon, c'est bon, je me souviens du chemin. Ah, c'est là-bas. C'est juste pour l'autre où je me souviens pas du tout. J'espère que c'est un autre fragment de cœur, que c'est deux fragments de cœur si possible. Comme ça, ça nous fera un cœur en plus pour le donjon. Il sera bien pratique. Parce que franchement, un cœur de plus, c'est vraiment pas mal. LOL, je suis sur une citrouille. Non, Jacqueline, je suis sur une citrouille. Attention. Oh! What? C'est-à-dire qu'il y en a deux ici? Swag. Hop, on va sauvegarder, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Oups, mais quel con. Oui, mode de merde. Là, je vois le coffre, là. 17 minutes. Ouais, quand même, ce sera un bon épisode. Dans le montage, il durera longtemps, etc. Donc, c'est bon, c'est un bon épisode. Ah, ouvrir. C'est tout. Vous avez ajouté une poche à votre sacoche d'inventaire. Vous pourrez y ranger un objet supplémentaire. LOL. C'est de la merde. Déçu, moi. Putain, sérieux quoi. Sniff. Je ne dors pas content. Ah, il nous manque toujours ça. C'est pas mal ça. Alors, ensuite, l'autre. Il est sur cette petite île. Hop. Elle est là, on la voit. Lol. On se fout de ma gueule, là. On perd des cœurs ou pas quand on tombe? Non. Parce que c'est différent que dans Wind Waker, parce que dans Wind Waker, si on fait une connerie, on revit, certes. Mais on... On perd quand même un quart de cœur à chaque fois. Là c'est quoi là? Il y a des trucs jaunes, c'est pas des coffres? Enfin des trucs... Oh putain! Oh putain! C'est quoi ça? Ok, ça c'est des trucs méchants qui servent totalement à rien. À ce Doom. Pourquoi vous avez ajouté ça dans le jeu Nintendo? Putain. Faut vraiment que je baisse la vibration là sur ma manette. Surtout qu'en plus elle est énorme, donc moi j'ai pas... Le motion plus intégré, moi j'ai le... Pas grave, on n'a pas perdu de cœur. C'est bien pratique quand même cette balise là. Ah ok, si je vais du mauvais côté aussi. Lol. Putain. Voilà. Ah, ça c'est un bon coffre, là, ça servait à rien. Plus qu'un. Pas mal. Bon, ben moi je vais retourner sur la Terre avec vous, bien sûr, mais en tout cas, nous on va arrêter l'épisode ici. Je commence à envoyer la dragon et attraper la télécommande. Voilà. Du coup, ben moi je vous dire à plus à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, vous commencez à comprendre. Donc, dans le prochain épisode, on fera le donjon. Puis bien sûr, m'arrêter devant le donjon pour mettre en haleine.
se perdre juste après la vidéo, comme d'hab. Hop, on va y aller. Je regarde juste le pantalon. Oh, c'était fermé avec le truc. Juste, ça s'appelle comment? Ok. Parce que comme ça, je sais le nom que je vais faire de l'épisode. Vu que je reprends souvent des trucs. Des quêtes. Enfin, ce que je fais par quête, on va dire. Là, enfin, je fais par étape, quoi, les épisodes. Là, c'est 6ème épisode, 6ème étape, etc. Bon, bref, moi, je vais vous dire à plus à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker. Donc, moi, ben, je vous dis à plus à la prochaine. Allez, ciao! Merde, all fail. Oh, bon, d'accord, on va pas la tuer, c'est pas grave. Alors aussi, oui, je vais faire tous les cartes.